Eh bien salut à tous, c'est Naxi, on se retrouve, vous l'aurez compris, pour une petite vidéo découverte sur The Forest sur PC, un titre qui est encore en alpha, hein. Il est sorti le 30 mai sur Steam, moi j'en avais vu un trailer fin avril 2013 et j'étais devenu dingue de ce jeu directement en voyant ce trailer, donc aujourd'hui le jeu est sorti en version alpha, il coûte 15€ sur Steam. Et c'est un titre qui va vous mettre dans la peau d'un personnage qui a survécu à un crash d'avion, dont son enfant s'est fait enlever. On se retrouve donc au départ du jeu dans la carlingue de l'avion, à devoir récupérer tout ce qu'on va pouvoir en fait pour survivre. C'est un survival en open world dans lequel on se retrouve comme ça dans une jungle luxuriante. Donc on va faire un petit peu le tour de ce qu'on va pouvoir récupérer dans la carlingue de l'avion. Alors il y a de la nourriture, il faut savoir qu'on va devoir gérer plusieurs étapes pour son personnage. On va devoir gérer la maladie, donc vous le voyez par exemple, on peut avoir de la fièvre si on est infecté. On va devoir gérer sa faim, sa soif, son endurance. Donc tout un tas de petites choses qui sont plutôt bien amenées pour un open world que moi j'ai fortement attendu. On se retrouve donc dans une belle jungle luxuriante comme vous le voyez maintenant. On va avoir la possibilité pour survivre de se crafter un habitat. Et on va être confronté à un genre d'indigène cannibale dont l'intelligence artificielle nous a été longuement vantée par les développeurs du titre. Ces indigènes, de premier abord, non agressifs, ils sont là un petit peu comme nous, c'est-à-dire que ils essayent de survivre comme ils peuvent. Donc vous les croiserez, si vous restez trop longtemps proche de l'avion, ce que je vous déconseille de faire, vous les croiserez très rapidement. Moi je ne le savais pas. Ces premières images que je vous montre là sont des images que j'ai été obligé de modifier parce que la capture était trop sombre, mais comme je vous avais fait un petit topo sur Facebook, sur le groupe, je vous avais fait un petit topo de mes premières 40 minutes de jeu où je suis bien entendu mort, donc je mourrai à la fin de cette vidéo. Je voulais absolument vous présenter ces images parce que ces images sont tirées de ce récit que je vous ai dit de mes premières minutes de jeu. Et vous allez voir que dès qu'on commence à abattre un arbre, on va se rendre compte que franchement le jeu a vraiment été léché. Il a vraiment été fait d'une main de maître, j'ai envie de dire, par un tout petit studio, puisque le jeu est développé par N-Night Games. C'est un petit studio qui est basé à Vancouver au Canada, de 4 personnes. Il prévoit par la suite d'augmenter le nombre de personnes travaillant sur le jeu en fonction des besoins, jusqu'à 5 à 10 personnes, hein, vraiment en fonction de ce qu'ils vont avoir besoin. On va avoir un livre de craft qu'on verra un petit peu plus loin, avec lequel on va pouvoir se fabriquer un premier abri de fortune et puis des abris un petit peu plus loin, toujours plus conséquents et toujours plus intéressants. On va pouvoir comme ça donc ramasser des matières premières. On va pouvoir également avoir la possibilité de faire un potager, donc des plantations. On va pouvoir faire de l'élevage visiblement. À l'heure actuelle, le système de sauvegarde qui ne fonctionne pas, je vais quand même vous en dire deux mots. Quand vous créez un abri et que vous dormez dans cet abri, ça va faire une save, mais là à l'heure actuelle ça ne fonctionne pas. Donc là moi ce que j'ai voulu vous montrer à travers ces premières images, c'est que comme vous le voyez, je me suis amusé un petit peu à errer dans cette jungle. On va pouvoir récupérer la peau des animaux, on va pouvoir récupérer la viande des animaux pour se faire à manger, pour essayer de survivre. Là on se trouve tout à côté du crash de l'avion et je ne le savais pas, hein, puisque c'était ma première partie. Et en fait, à plusieurs moments, j'ai entendu du bruit. Donc à un moment donné, je me suis retourné, vous le verrez dans les prochaines images, et j'ai vu donc cette population locale, ce genre d'indigène avec un chromosome os dans le nez, dirons-nous pour être plus précis, qui se déplacent très rapidement, qui sont vraiment habitués à l'austérité de leur environnement. Ils ont également la possibilité de grimper dans les arbres. Ils se déplacent vraiment beaucoup plus vite que nous, et le jeu est vraiment axé sur la survie à 100% parce qu'il va être très difficile de les tuer. Donc là, vous voyez, on va s'arrêter. Vous les voyez, ils passent. Alors, je sais pas si vous voyez bien, tout simplement parce qu'au moment où j'ai capturé ce gameplay, qui est ma première partie, je n'ai pas pensé à faire des réglages de luminosité plus que ça. Et du coup, le gameplay s'en est retrouvé très très sombre au moment du revisionnage. Donc là, avec Premiere, j'ai fortement augmenté contraste, luminosité, etc. Donc, les parties noires que vous voyez au sol, c'est pas dû au fait que le jeu est comme ça. Il y a vraiment... J'ai vraiment été obligé de traficoter le rendu vidéo pour que la vidéo soit visible à l'écran pour vous et que ce ne soit pas trop sombre et que vous n'y voyez rien. Une fois que, donc, vous le voyez, voilà, il y en a un qui m'a attaqué. Donc je me suis dit, je vais vite m'arracher, essayer d'aller me faire un peu de camp, me préparer à bouffer parce que mon personnage commence à manquer de vie. Et donc je me suis mis au loin du crash de l'avion en espérant tranquillement me crafter un feu. Et donc voilà, hein, quand on pose l'objet du craft après avoir été dans le bouquin pour chercher les composants, ça va nous dire par exemple qu'il faut 7 feuilles et 2 brindilles. Donc les brindilles, les feuilles, j'avais tout ce qu'il fallait sur moi.
J'étais tranquillement en train de crafter mon feu, quand soudain, bah, il y a un de ces indigènes cannibales qui est apparu derrière moi et qui m'a tué. Bah voilà, je sais pas pourquoi j'ai voulu allumer le briquet. Donc je pensais être mort. Et en fait, non. Je me suis rendu compte très rapidement que j'avais été enlevé, mis dans une espèce de caverne où là on y voit vraiment encore moins, et j'en suis désolé, mais dans le jeu c'est vraiment comme ça. On a vraiment une part de survie qui est vraiment très bien fichue. Donc on va se balader comme ça à la lueur de son briquet jusqu'à découvrir de nouvelles salles, jusqu'à découvrir une première petite hache, puisque en nous emmenant dans cette grotte, ils nous ont enlevé tout ce qu'on avait dans notre inventaire. Et on va devoir comme ça errer dans cette grotte pour en trouver la sortie. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis bien baladé dans la grotte. J'ai trouvé à un moment donné dans cette grotte une lampe torche. Je pensais qu'avec cette lampe torche, bah ça y est, j'allais pouvoir faire ce que je voulais parce que bah, j'avais une bonne vision et je pouvais bien avancer. En fait, non, je me suis fait tuer juste un petit peu plus loin. Donc tout ça pour vous donner ces premières impressions sur cette alpha. J'ai trouvé suffisamment bien optimisé, le jeu est quand même jouable pour une alpha version 0.0.1. Le système de craft a l'air sympathique, on peut combiner les éléments pour se faire une petite hachette en pierre, etc. Tout un tas de choses. Moi, ma course, elle s'est arrêtée devant un ennemi que je vais vous montrer, que je ne serais pas qualifié. Alors je sais pas si c'est un bug graphique ou si c'est réellement l'ennemi qui est comme ça, vous allez le voir. Mais je suis mort face à cet ennemi, je voulais vous faire donc en vidéo le petit récit de ma première aventure au sein de ce jeu. Vous aurez bien entendu d'autres vidéos très prochainement sur ce titre que j'ai longuement attendu et que j'apprécie particulièrement. Je vous laisse donc sur ces quelques images en vous souhaitant, comme d'habitude, de bien vous amuser. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.